Shalom, shalom, bien-aimés de Dieu. Nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. J'espère que vous vous êtes très bien réveillés par la grâce de Dieu. Même si ce n'est pas le cas, nous bénissons Dieu. Parce que tout concourt au bien de ceux-là qu'il aime. Père, nous te rendons grâce, nous te disons merci pour ce jour nouveau. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour le souffle de la vie. Merci pour le souffle de la vie que tu renouvelles en nous. Merci de ce que nous nous sommes levés en bonne santé. Merci pour les membres de nos familles. Merci pour nos collègues. Merci pour nos épouses, pour nos époux. Merci pour nos enfants. Merci pour le travail. Merci pour le chômage. Merci pour la maladie. Merci pour tout, Père. Parce que tu sais tout. Tu peux tout. Et ce que tu fais dans nos vies, tu le sais. Nous n'avons qu'à nous remettre entre tes mains, toi notre Seigneur et notre Dieu. Béni sois-tu de ce que en ce matin, Père, le psalmiste nous parle en ces termes. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Heureux est l'homme qui n'entre pas au conseil des méchants, qui ne suit pas le chemin des pécheurs. Ne siège pas avec ceux qui ricanent, mais se plaît dans la loi du Seigneur et murmure sa loi jour et nuit. Heureux est l'homme qui met sa foi dans le Seigneur. Père, au nom de Jésus, et par la puissance du Saint-Esprit qui habite en nous, cet Esprit qui nous fait crier « Abba !» En ce matin, nous voulons déclarer notre foi. Nous voulons affirmer notre foi. Nous voulons déclarer au ciel et la terre, à la création, à tout ce qui vit et respire, que nous avons mis notre foi en Jésus. Que tout ce qui vit et respire en ce matin écoute la voix des enfants de Dieu qui déclarent que leur foi est en Christ Jésus, notre Seigneur et notre Sauveur. Alléluia. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Alléluia. Il est fidèle, notre Seigneur Jésus. Et quiconque met sa foi en Christ Jésus ne sera jamais, jamais, jamais déçu. Bien-aimé, quiconque mais sa foi en notre Seigneur Jésus ne sera jamais déçue. Nous pouvons fouiller la Bible, nous pouvons sonder les Écritures Saintes et nous verrons que nulle part quelqu'un a mis sa foi en Jésus et en retour a été déçu. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas, bien-aimé de Dieu. Dieu attend que nous mettions toute notre foi en lui. Voilà pourquoi en ce matin, avec les membres de nos familles, avec nos collègues, avec nos enfants, avec ce que nous avons, ce que nous sommes, nous voulons crier à la terre entière que notre foi est en Jésus, lui le fidèle. Alléluia. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Il est fidèle à ses promesses. J'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. En ce matin, je déclare que j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Ma famille a mis sa foi en Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle à ses promesses. Nous avons mis notre foi en Christ Jésus, il n'y a point de mal. Car il est fidèle, assez alors louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle. Louez Jésus-Christ, louez l'agneau. Car il est fidèle, louez.
bien-aimé, toi qui m'écoutes en ce matin, s'il arrive que tu vives des situations où tu as perdu la foi, lève-toi en ce matin et déclare que ta foi est en Jésus. Lève-toi et déclare que ta foi est en Jésus. Dieu aime ceux qui mettent leur foi en lui. Alléluia! Il a déclaré au centurion que je n'ai pas vu cette foi dans tout Israël. Parce que ce dernier lui a dit, tu n'as pas besoin de venir chez moi, Jésus. Dis seulement un mot et ma fille sera guérie. À l'instant même, sa fille guérit. La femme aux pertes de sang n'a pas cherché à embrasser Jésus. Elle n'a pas cherché à faire une accolade à Jésus. Elle a juste dit dans sa foi, si seulement j'arrive à toucher le pan de sa robe, je serai guérie. Elle l'a cru dans son cœur et le miracle s'est produit. Et Jésus lui a déclaré, ta foi t'a sauvé. En ce matin, bien-aimé, Jésus te dit la même chose. Parce que tu as posé cet acte de foi dans ta maladie, dans ton chômage, dans ce que tu vis actuellement. Parce que tu as posé cet acte de foi. Jésus te dit, mon frère, ma sœur, mon ami, mon enfant, ta foi t'a sauvé. Laisse-moi te dire que, bien-aimé, sans cette foi, tu ne peux pas plaire à Dieu, nous déclare Hébreux. Sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Alors remettons nos vies entre les mains de l'Éternel et croyons fortement en lui. Alléluia. J'ai mis ma vie en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Moi j'ai mis ma foi en Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Ma famille a mis sa foi en Christ Jésus, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Mon frère, ma sœur, mets ta foi en Christ, il n'y a point de mal, car il est fidèle à ses promesses. Louez, 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 louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle. Alors louez. Car il est fidèle, louez le vivant pour l'éternité, louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle, louons le prince de paix en ce matin, louez Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle, que le peuple de Dieu se lève et loue l'agneau, louez Jésus-Christ. Il est fidèle, louons, 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 louons Jésus-Christ, louez l'agneau, car il est fidèle. Alléluia, bien-aimé, demeure dans cette action de grâce, demeure dans cette louange tout au long de la journée. Ne te tais pas, continue à louer notre Seigneur Jésus et continue de lui déclarer que toute ta foi est en lui. Tu n'as rien d'autre que Jésus. Il est ton trésor, il est ton bien-aimé, il est tout ce que tu as de plus précieux. Seigneur, vois nos vies, vois ces enfants qui déclarent ce matin qu'ils croient en toi. Nous savons que tu aimes ces gens qui croient en toi, qui mettent toute leur confiance en toi. Seigneur, agis encore et encore et encore par cette déclaration de foi. Ma foi est en Jésus. Qu'importe ce que je vis, c'est Jésus qui a le dernier mot dans ma vie. Ma foi est en Jésus. Alléluia. Demeurons dans cette action de grâce et continuons à bénir le nom de Jésus en cette journée, en lui consacrant cette journée au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen.